il y a une fin que moi-même, je n'ai pas vécue. Je suis parti au mois de novembre 61 et les prémices d'un cessez-le-feu, on en entendait parler un petit peu, des pourparlers, mais on ne savait pas trop. La guerre pour le FLN était perdue. Il y avait encore 300 combattants à l'intérieur. Les frontières étaient hermétiques. Militairement, c'était gagné. C'était fini pour le FLN. Mais politiquement, c'était perdu. Hein? Bon. Et cette armée de l'extérieur voulait montrer, voulait faire une action d'éclat avant de rentrer dans le pays. Hein? Et ils voulaient prendre Ainsana pour se dire, voilà, nous, on vient, on a pris un grand poste français. Et heureusement, je n'ai plus vécu cette dernière phase avant ce cessez-le-feu. Il y a eu une attaque du poste où il y avait un millier de coups de canon avec des canons les plus modernes, les canons russes que le FLN avait eu. Et le poste a failli être anéanti complètement. Et ils ont complètement raté les tirs de canon et ont tiré à côté, 800 mètres à côté, heureusement. Ça ne me choque pas qu'on ait donné l'indépendance à l'Algérie. Je crois qu'il fallait y venir. Ce qui a choqué beaucoup les armées et les jeunes officiers dont j'étais à l'époque, c'est que De Gaulle nous a en quelque sorte menti, pour ne pas dire trahi. Il nous a, pendant toute la guerre, dit de continuer à faire cette pacification. Il a même dit lui-même à plusieurs reprises que l'Algérie, c'était la France. Et à un moment donné, il a dit l'Algérie, ben, c'est l'indépendance. Bon. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Ceci n'est rien, mais en plus de ça, on a signé des accords déviants, hein, qui ont conduit au cessez-le-feu du 19 mars 1962, dans lesquels il était tout à fait clairement établi qu'il était hors de question que nos harkis puissent souffrir de ce cessez-le-feu, que les Européens pourraient très bien continuer à rester en Algérie, etc. etc. Il n'en fut rien. Les indépendances tunisiennes et marocaines se sont très bien passées. C'est pourquoi aujourd'hui, avec le Maroc et avec la Tunisie, on a des relations tout à fait saines. Hein. Qu'est-ce que je serais heureux aujourd'hui que nous ayons avec l'Algérie exactement les mêmes relations que nous avons avec le Maroc et avec la Tunisie. Ça fait déjà combien? 60 ans, je crois bien. Hein. Si on compte bien, on n'est pas encore capable d'avoir rétabli des relations franches et amicales à cause de cette fin lamentable dont De Gaulle est sans doute le premier responsable. Il y avait la gare de Marseille, des officiers qui voulaient remettre de l'ordre dans les tenues, les machins. Ben, ils ont failli se faire rouer de coups. Hein. Parce que c'était la révolte des appelés contre cette hiérarchie militaire qui, c'est-à-dire c'est 8 années de guerre pour rien. À les appeler, on avait marre. J'ai choisi non pas d'aller dans des troupes de métier, comme la Légion, par exemple, ou des régiments de parachutisme, mais d'aller dans un régiment d'appelés. Le fait de commander ces gens-là, c'était émouvant, parce qu'ils n'étaient pas faits pour faire la guerre. Hein. Vous savez, on les prenait à 20 ans, et puis ils revenaient de 2 ans après. Et si vous leur posiez la question à eux, je réponds pour eux. Eux étaient mûris. Alors, je suis parti plein d'enthousiasme quand on a 20 ans pour vivre une aventure. Je suis revenu un peu usé et déçu. Cette guerre de nerfs, elle a usé les gens, elle a usé les... Surtout là où on était. Hein. On sortait souvent la nuit, on buvait beaucoup de café, on fumait beaucoup. Le système nerveux était un peu malmené. Et le psychique, hein. Et il fallait se remettre. Hein. Parce que 2 ans, c'est long. Ce
que j'ai vécu en rentrant, c'est-à-dire des gens qui croyaient revoir un jeune homme tel qu'il était parti. Et ce n'était pas du tout le cas. Le pays n'a pas vécu la guerre et nous, on est revenus et on a vécu tout à fait autre chose et eux, ils ne nous ont pas compris. Déjà, quand je revenais, je pensais français, je traduisais. Alors, je pensais français, je parlais français. Il fallait traduire en français pour pouvoir reparler en patois. Déjà ça. Et puis, cette incompréhension des gens. Voilà. On ne voulait pas parler. Le général Côte, qu'on avait perdu de vue, qui entre-temps passait capitaine, lieutenant-capitaine, puis on le retrouve général, on se retrouve depuis 25 ans, tous les ans. C'est drôle parce que pendant qu'on était au Rififi, on va dire, ou même dans les années qui ont suivi, ils n'aimaient pas trop s'exprimer sur la guerre qu'ils avaient faite. Et c'est tout doucement, à l'occasion de nos rencontres, qu'ils livrent des confidences, souvent drôles d'ailleurs. Donc il n'y a pas de rencontre que l'on fasse sans que j'apprenne des choses drôles ou moins drôles. Il fallait décompresser, sinon si la tension avait toujours été la même, c'eût été assez dangereux pour le moral des gens.